Hey, mes chéris, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve pour un petit vlog. Je vous emmène avec moi dans ma petite journée d'hôtesse. Je vais être hôtesse à l'événement Reine des Grandes Écoles pour ceux qui sont à Dakar et pour ceux qui connaissent. Et du coup, je vous emmène avec moi. Donc là, je me suis apprêtée, je suis sortie mes vêtements d'hôtesse. Là, j'ai bien le chiao. J'attends une amie qui est à côté. On doit aller ensemble vu qu'elle est hôtesse. Elle attend, ça fait à peine 10 minutes. Elle est pas dans le là. C'est vrai que j'attends comme ça. Il est 8h moins et on a dit d'être là à 8h. Donc ce qui fait qu'on sera légèrement en retard. Mais bon, c'est pas grave, les gars. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que je suis pas très là. Si vous savez tellement, si vous savez tout ce qui se passe dans ma vie, non. Et demain, je vous dis, mais je peux pas vous dire. Mais il se passe trop de choses et voilà. Depuis un petit moment, on a un peu fait des trucs, des gâteaux, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, je vais voir la salle. Voilà, c'est là où les reines vont danser, faire le show, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, c'est le public. Donc en fait, nous, notre travail d'hôtel, c'est d'accueillir les gens qui arrivent. On gère des petits trucs, des places, des trucs à manger. On gère un peu tout, tu vois. Et voilà, c'est pas très fatigant, mais c'est notre travail est important. Donc là, c'est un petit truc à faire. On fait. Ensuite, on va nous maquiller après et on va se changer. On a des tenues similaires en fait. Il y a des miroirs vraiment partout ici. Ça, c'est le badge de l'hôtesse. Il y a des miroirs vraiment partout. Et les gars, je pense que j'ai un peu grossi. Là, je dis que ouais, mais non, en réalité, j'ai grossi un peu. Honnêtement, j'ai l'impression que mon corps n'élimine plus la graisse ou je sais pas. Mon corps ne. Ça n'élimine plus rapidement comme avant. Bizarrement, je ne mange pas beaucoup, mais je me sens pleine. Genre, dans mes habits, ça. Non, c'est bizarre. Ouais, pour le coup, il est 12h moins. On m'a pas encore maquillée, je vous montre après. C'est qui m'a mal maquillée, c'est Mimi, mais quand même maquillée très bien. Et ouais, les reines vont s'entraîner tout à l'heure et ça commence normalement à 14h. Donc là, on fait rien. Donc, voilà. Je vais vous montrer un peu la salle là où tout le monde est. Ici, c'est le coin hôtesse. Et là, il y a les reines. Ah, les écoles. Oh, mais tout ça, tout ça, tout ça. Ça, sont les noms des différentes écoles, en fait. Comme Ife. Et là, en fait, et bah. Et voilà. Et là, ce sont les maquilleuses.
Maybe I'm talking crazy. I need you right in my space, but I need it, baby. I'm late, but I'm sick of checking with you. I know that I need my friends, but I wouldn't wanna leave. You know, I wouldn't wanna bleed. Even my body. Moi, on m'a mis avec les VIP dans l'heure, parce que moi, les VIP les amènent dans la même salle là-bas. Et là, c'est un peu chaud. En tout cas, est-ce que je peux filmer? Je vais filmer. Et sinon, il fait extrêmement chaud. Un peu l'envers du décor, enfin, derrière je pose jaune, il y a rien qui s'entraînait là et tout. Ah les gars, je suis fatiguée, trop mal au pied, ma talon me tue les orteils. Des pantalons pas trop hauts, mais bon, ça fait mal quand même. Surtout quand tu marches beaucoup, peu importe la longueur de la talon, la hauteur, pardon. Tant que tu joues avec, tu as mal, ça c'est clair. Bref, là je vais vous montrer un peu la salle, il y a les gens qui sont en garde. Jusqu'à genre minuit, j'en arrive pas à croire en fait. C'est... Ah, c'est un bon.
Elle est par son frère qui lui offre une place de
séduit par sa beauté, mais plus encore, elle était bénie des dieux. Elle suscitait l'admiration de ses courtisanes et se faisait désirer par le lord de la cour pour multiplier leur joie. Mais cela ne fut que de courte durée. Son frère, ayant succombé à une maladie, délaissa les troupes sans héritier. Elle succéda ainsi à son frère afin d'assurer la pérennité de son peuple. Portant un chant vers le ciel, les dieux, épris de sa mélodie, déployèrent pour elle une force surnaturelle, défiant l'entendement. Dans une phase de transe, elle livra son corps aux ancêtres et se laissa guider par les dieux. Les soldats se mirent tous à genoux. La victoire était totale. Son retour triomphal à la cour légitima son règne et démontra l'excellence du woman power. Le combat est terminé.
Les gars, c'est la fin. Enfin, la fin de l'histoire. Et les mots de fin. Bon, là, on va lancer la cagnotte. Du coup, let's go. Qui a gagné.
Je n'ai pas bien filmé, en tout cas, je mettrai sa photo. I just want you back home. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère que je vous ai manqué. On se dit à la prochaine pour une nouvelle. Bisous, ciao. On passe comment?